J'ai deux questions. Une sur la part des réseaux sociaux, justement, dans à la fois la création d'un buzz, la création d'un événement, donc dans la circulation entre vous sur le territoire. Et par ailleurs, en dehors des réseaux sociaux, donc sur l'identification des différents sujets, comment ça fonctionne entre vous sur le terrain? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous échangez assez vite pour dire j'ai repéré telle information? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est pour l'enregistrement radio. Je m'appelle Benoît Pierre, je suis le directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours. Bon, très bonne question. C'est l'aspect concurrence aussi entre vous. Alors, ouais, là, on est dans une situation un peu particulière. Non, c'est vrai. Faut dire ce qui est. Oui, puis en plus, moi, je travaille avec eux, quoi, parce que Stéphane. C'est une situation particulière sur la région, mais parce qu'elle a été construite comme ça. Bah, en fait, on travaille plutôt en réseau. Pour la deuxième partie de la question, en fait, on se connaît et on s'échange des informations. Il y a une sorte de gentleman agreement entre nous. Tu es le premier à avoir saisi l'info. Tu vas d'abord la sortir. Et puis je t'aide à travailler l'info pour ton média. Et je te donne les ressources pour que tu travailles ton angle avec ton média. Tu n'as jamais gardé une information pour toi? Alors moi, je suis pas le mieux placé parce que moi, ma Tu porte serais un d'entrée mauvais dans. tu serais un très mauvais journaliste si tu me disais Non. oui. Moi, je suis mal placé parce que je suis d'abord, je rentre par les sujets éco, entreprise, donc c'est pas ce qui fait la une de l'actualité, très rarement. Mais.